Yo les invocateurs, les invocatrices, c'est Monsieur Wendy, on se retrouve aujourd'hui sur le compte de Rousse. Bah voilà, regardez, le petit World Boss, la Reward, Conquérant 3, bon, c'est normal pour son niveau, on va regarder un petit peu son compte. Alors, c'est un petit peu particulier parce que je vais faire deux Summon Sessions à la suite, et c'est deux frères qui font partie de la guilde, des gens que j'apprécie beaucoup. Et du coup, on va regarder un petit peu son compte. C'est un gars, Rousse quand même, et bon... Il a des bons monstres, j'aime bien quand même son compte. C'est quoi ton rank? Donc, Conquérant, 1640, la semaine dernière, t'as pas dû beaucoup jouer, faut savoir, bon bah voilà, il est en décalé avec la France, je sais plus si c'est la... Je crois que c'est la Guyane où tu étais dernièrement. On va regarder tes monstres, on va regarder ça. Alors, regardez son petit compte. Emma, déjà très très bien pour GVG... Très bien dans pas mal de modes de jeu. Vérad. Ouh, Vérad. Vérad, voilà. Le monstre qu'on idole dans notre guild. Voilà, la guild zéro absolu en honneur à son skill 3. Taor. Alors, Taor, c'est pareil. Taor, c'est monstrueux comme monstre. Je trouve ça très, très fort. C'est-à-dire que en plus, Rousse se permet de changer régulièrement de rep parce qu'il a de quoi. Des fois, je me connecte. Tiens, je vois un petit Vérad. Ah, oh, tiens, c'est Taor. Qu'est-ce que c'est? Ah, un petit Téchard. Téchard, plus 1878 d'attaque. Manque un peu de taux critique, mais quand c'est Téchard, c'est pareil. Ça fait vachement plaisir de pouvoir le tester. Ah, mais qu'est-ce qu'il a eu? Ah, une petite Charlotte qu'il a monté 6 étoiles. Regardez. Ah, par contre, ton Théomars, tu l'as pas monté. Tu l'as peut-être eu dernièrement. Le panda qui est sympa. C'est-à-dire que moi, j'ai un panda qui est vraiment fort aussi. J'ai 11 000 HP, j'ai 1400, je crois, de def. Mais son avantage qu'il a sur moi, c'est qu'il a 63% de précision, alors que le mien a à peine 20%. Le mien est skill up, le sien aussi. En tout cas, voilà, c'est le genre de membre de la guilde sur laquelle on peut s'appuyer, et c'est très très plaisant. Il connaît bien le jeu, il se fait plaisir. On va regarder un petit peu les monstres derrière, regardez ça. Boum, une petite Brandia. Brandia est quand même un des monstres qui... fait le plus de dégâts dans le jeu. Hein. Donc, un petit Verdeil, une Oua. Qu'est-ce qu'on a ici? On a... Ah, tiens, faut que tu me dises ce que tu en penses. J'aimerais bien avoir ton avis sur ce monstre qui était farmable en HOH. Rousse, dis-moi ce que tu en penses et dans quel mode de jeu tu la joues. Là, normalement, tu as Bark. Alors moi, j'ai Galion. Bark est un peu différent. Pareil, n'hésite pas à me dire dans quel mode de jeu tu le joues. C'est pas forcément des monstres que j'ai l'habitude de jouer. Tu as un Tyron. Qu'est-ce que je rêverais d'avoir Tyron. Bon, après, t'as Vérad. Donc, Tyron et Vérad, je comprends que tu n'es pas forcément monté Tyron. T'as un petit Trevor. Petit, enfin, j'en sais rien. T'as un Trevor qui n'est pas runé. Moi, c'est pareil, le mien n'est pas runé. Il est 35. Je viens d'avoir du food d'autres Trevor. Je pense que je vais pas tarder à le monter. Un Akamamir. Oh, alors ça, c'était le petit Rip. Le deuxième guerrier panda qui est apparu en invocation. Tu as une Soa. Ok, pas trop dégueulasse comme monstre. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, t'as un refroidissement. J'aimerais bien le tester aussi. Je l'ai jamais eu en main. T'as un Lushen. T'as un Lushen que tu ne montes pas. D'accord. Ran. Alors, Ran, j'aime beaucoup, beaucoup. Je l'affectionne en Necrobédis. Et puis, voilà. Après, du foot, des monstres. Il faut quand même se dire que ces deux personnes, donc les deux frères qui n'ont pas invoqué, ils attendaient... Enfin, voilà. L'autre joueur, c'est Le Cadeau. Donc, c'est son frère Rousse. Et ils attendaient que Rousse revienne en France pour faire leur invocation ensemble. Donc, on va regarder un peu ce que tu as mis de côté. On va regarder, ça fait une heure, pas de Venom Mystique. Alors, où est-ce que c'est? Hop, les petites stèles. Qu'est-ce que tu nous as mis de côté? Allez, 4 légendaires. Le stress, hein? 4 légendaires. 11 Dark and Light. Et ouais, ça fait longtemps, longtemps qu'ils n'ont pas invoqué 159 Venom Mystique. Il a gardé les cristaux de côté normal pour refresh et il m'a dit, pas, enfin pas les invocations exclusives. Donc voilà, donc j'espère qu'on va invoquer du lourd. En plus, ça va retomber directement dans les poches de la guilde. Non, là c'est un peu dégueulasse de dire ça. Bon, en tout cas, t'as déjà de très très bons monstres. Normalement, il y a tout ce qu'il faut au niveau mana. Tu m'as fait le maximum de place en laissant quand même quelques monstres pour faire joli et parce que c'est en défense et tout. Ok, ok. Bon, on va commencer directement par les Venom Mystique. J'espère ne pas avoir de problème de connexion comme tout à l'heure. Allez, c'est parti. Boum, des étincelles. Allez, qu'est-ce qu'on a déjà dès les premiers? 4 étoiles. Ok, un petit refroidissement. Tu l'as déjà.
ça va peut-être te permettre de le skill up et peut-être te donner envie de le jouer aussi. Parce que refroidissement, c'est quand même intéressant. Il y a des joueurs qui le placent en PVP jusque... Ouais, je l'ai vu assez régulièrement, Conquérant 1, Conquérant 2. Ah non, 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 ça va pas être possible, ça. Ça va pas être possible. Je ne veux pas de problème de connexion, c'est pas possible ça les gars. Ah non, 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 non. Je vais essayer de passer en Wi-Fi, je vais essayer de passer en Wi-Fi. Bon. Hop. Désolé, on part, la surprise totale, on part en Wi-Fi, on est sur SFR, je vous l'avais dit, bon, c'est pas trop grave. Allez, on attend que ça revienne, j'espère que ça va aller mieux un peu en Wi-Fi. Oui, bah je sais bien, vérifier la connexion, je viens de changer de réseau, donc tu m'apprends rien. J'espère que ça ira mieux. Bon, en deux invocations, une fois des étincelles, on a déjà eu refroidissement. Je veux pas de problème de connexion parce que c'est vraiment horrible. Dès qu'on a énormément de vélas mystiques, c'est embêtant. Et c'est dingue parce que sur mon compte, j'ai vraiment rarement des problèmes de connexion comme ça. Bon, après, c'est vrai que je joue pas dans cette pièce. Cette pièce est un peu isolée, c'est peut-être un peu un bunker. Bon, allez, c'est reparti. On va regarder les monstres. Donc, qu'est-ce que tu as eu? Tu as eu un refroidissement et un Argue-Haut. Argue-Haut, c'est pas mal non plus. Je crois que tu es en train de te lancer dans le Red Cat. Donc si à un moment tu veux te monter un Raviti, c'est le moment, le Argevent, bah t'auras ton food. Emos, Faucheuse Eau. Alors moi j'aimerais bien m'en monter une. Je pense entre autres à, peut-être qu'il regarde, je sais pas s'il regarde, à Abdel, qui est un joueur quand même qu'on rencontre régulièrement sur le 6667, et qui joue Emos en Toa Hard. Et j'aimerais bien, je sais qu'il était bien joué à l'époque, enfin à l'époque, ça remonte quand même avec beaucoup de mois. Je pensais qu'il avait été mis de côté parce que ses stats sont pas dingues. Et lui, il le joue en Toa Hard encore. Donc, comme quoi, les monstres sont quand même intéressants dans 3 étoiles. Olivine, donc je disais qu'on pouvait la placer en raid. Régulièrement, j'en parle. On peut la placer en raid en tant que cleanser en AOE. Enfin, un cleans pour l'équipe. Très bien, très bien. Chevalier Pingouin, on va pas parler de Mav. Je pense que ton Mav, il est skill up depuis bien longtemps. Un petit serpent vent. Lutin champion. Allez, on avance. On avance, on avance. Adrian, je pense que ton Adrian aussi est skill up parce qu'il fait du Necro B10. Expert en art martial, allez on avance, on veut du lourd. Ah j'ai hâte de voir ça parce que les légendaires, les Dark Knight. Une petite faucheuse, faut savoir qu'ils ont quand même invoqué, parce que ça fait quand même longtemps qu'ils attendent, ils ont invoqué un peu parce qu'ils avaient besoin de faire du foot pour faire des 6 étoiles. Par exemple, on voit pas les vélins élémentaires qui étaient là dans le dernier event. Je pense que tous les deux, ils ont claqué le cadeau, je crois qu'il a déjà claqué une trentaine d'invocations ces derniers temps. Je pense 3 packs premium. Et Rousse, ça doit être à peu près pareil. Allez, des chats martiaux, c'est pas ce qu'on veut. On veut du lourd pour le compte de Rousse. Un petit griffon. Je pense que ton Spectra, ton Bernard, depuis longtemps, ils sont aussi skill up. Ok, on se retrouve avec un expert en art martial haut. Ok, on a eu le vent il n'y a pas si longtemps en SD. Allez, hop, les étincelles. Qu'est-ce qu'on a? Un Ritesh, ce serait parfait par exemple pour toi, je pense. Un Argevent, bah voilà, on en parlait. Raviti. Sympathique pour son skill 3 parce que ça supprime tous les effets nocifs de tous les alliés, donc c'est très très bien en raid, et en plus ça met un bouclier qui le montant d'absorption est égal à ta défense, sachant que c'est un monstre qu'on va jouer en frontline, donc on va vouloir beaucoup de défense sur lui, parce que vous savez on prend moins de dégâts en fonction de la défense sur un des skills du raid, donc c'est très très important. Ok, on continue, alors je pense pas que tu aies commencé, il faudrait que j'aille espionner un petit peu dans ton bâtiment crafting, voir si t'as avancé un petit peu sur la fusion, sur l'homonculus. Allez, qu'est-ce qu'on a? J'ai cru qu'on voit une pirette. Non, sous, très bien, sous. Alors ça, j'aime beaucoup. La Rakshasa O. J'en ai invoqué une sur la dernière Summon Session. C'est un monstre qui est vraiment incroyable. Aussi forte que Wa, un peu différent dans le style, mais au moins aussi forte. Voire, je vais pas dire plus forte parce que là je me fais cracher dessus, mais très forte quand même. Ok, un petit granit, pas très intéressant. Bon, pour l'instant, et ben voilà, tu l'as déjà, une petite soie. Bon. C'est pas ce que tu veux, je pense. DPS haut, t'as déjà Taor en plus. Je sais pas si t'as fusionné Sigmarus, tu pourrais avoir Sigmarus en plus en DPS haut. Soit, est-ce qu'elle va être utile maintenant? Pas trop, hein. Pas trop. Je sais pas si t'as une chasune d'ailleurs, j'ai pas vu. Ça pourrait être sympa quand même de t'invoquer une petite chasune. Chasune, Verdéhil, je les ai pas vus sur ton compte. Une Chloé, pareil.
On pourrait t'invoquer une Chloé comme ça, tu ferais ta fusion Katarina, tu aurais un gros DPS vent en GVG PVP. Ça pourrait te permettre de, bah, de monter. Allez, les étincelles, qu'est-ce qu'on a? 4 étoiles. Ok, refroidissement encore. Bon, là c'est peut-être un signe, il faut vraiment que tu te bouges pour faire ton refroidissement. 122 vélo mystique. Allez, j'ai vraiment envie d'invoquer. Ouais, Chazune, Verdeil, du Galion. Un petit fake Katnat, c'est pas grave, c'est Thomas. Qui n'est pas dégueulasse, soit dit en passant. Il y a quand même des streamers qui l'ont monté, bon, en tant que jouet. Mais qui se sont fait plaisir avec quand même quelques temps. 118 Vela Mystique. Allez, on continue. Une petite momie. Bon, momie pour faire du food, ouais. Pas du skill up. Il n'y a pas forcément de trop belle momie. Si Nubia, la momie haut, qui est assez intéressante. Mais je pense qu'à partir du moment où on arrive à faire bah, du dragon, ça perd son intérêt. Du Birman. Je sais pas combien de temps tu fais ton run dragon. Allez, les intercelles. Ah, pas mal. D'ailleurs, je n'ai pas vu si tu avais un Orion. C'est vrai, moi j'en ai qui traîne. Pas mal. Un petit Bruni. De toute façon, les Bruni, ils sont tous top. Les Dark, les Light, les élémentaires. Celui-là qu'on voit quand même beaucoup, c'est le Bruni haut, Orion. Mais les autres sont pas dégueulasses non plus. Hein. Loin de là. Un peu plus orienté PVP, quoique tu me diras, vous me direz Orion aussi, c'est très PVP. Allez, les chasseurs de bêtes. Pour l'instant, niveau étincelle, je pense qu'on est dans le tas. On n'est pas trop dégueulasse. Il nous reste un peu moins d'une trentaine d'invocations avant de devoir faire du food ou déplacer. Une petite Amazon. Alors, si tu chopes une Amazon Dark, c'est le moment. Allez, encore des étincelles. Qu'est-ce qu'on a eu là? 4 étoiles. Bon. Un petit barbare haut. Oh, c'est pas ce qu'on veut à Aegir. C'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais à Aegir. Souvent, on préfère son frère, le vent, là, avec un nom imprononçable. Mais, on voudrait un petit peu mieux. On voudrait un petit peu mieux pour cette Summon Session. J'espère au moins invoquer sur les deux comptes au moins un monstre que vous avez vraiment besoin. Je sais ce que c'est d'attendre. J'ai fait des Summon Sessions sur mon compte aussi à plus de 100 vélins mystiques. Et c'est difficile de... Même si on invoque des monstres qui sont assez intéressants, mais on sait qu'on va pas forcément les monter, quoi. Alors ça permet de compléter, on va dire, son Pokédex. Ça permet d'avoir tous les monstres, mais c'est assez late game, je veux dire, d'avoir ce luxe de se dire, bah tiens, je vais l'éveiller parce que comme ça, ça va me faire un monstre en plus que j'ai eu. 96 vélins mystiques, Inugami, allez, il nous reste 15 vélins, allez, les étincelles. Qu'est-ce qu'on a? Une petite succube au Isaria. Ok, très bien. C'est la meilleure, je pense, des trois élémentaires. Encore des étincelles. Allez, Rousse, il faut quelque chose de bon, là. Barretta, je crois. Ouais, Barretta. Je pense que ton Barretta est skill up aussi. On ira regarder tout à l'heure. On ira regarder tout à l'heure, je pense. Un petit Vigor, mais ça t'intéresse pas plus que ça. À moins qu'on chope un Jultan, un Eschir pour faire du skill up, pour monter en grade, voilà. Prêtre Épicion, allez, il faut une Chloé là derrière. Il faut une Chloé. 8 vélins avant de faire du tri. Un Arg, très bien pour skill up ton Raviti. Chevalier Pingouin, ça ne nous intéresse pas trop. Allez, on a des étincelles. Franchement, les étincelles, c'est bien. C'est bien. On a eu un Horus Feu. Je suis moins fan. Je suis moins fan du feu. Je préfère largement Kébézin UF et Inmesteti. Une Amazon O qui n'est pas dégueulasse non plus. Mais c'est pas ce qu'on souhaite sur un compte qui est déjà rendu, on va dire, Red 3, Red 4. Je dirais Red 4 maintenant, tu dois être. Donc, on est à peu près dans les mêmes niveaux, c'est-à-dire qu'il finit conquérant, il fait son Toa normal, le Toa, je pense pas que tu le clean, mais je pense que tu montes aussi haut que moi. Donc ça veut dire vers le palier 90, 93. Ok, on va regarder déjà. On va regarder ce que t'as eu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 déjà. 11 belles invocations. On va les regarder. Qu'est-ce qu'il y a? Adrian, je pense qu'elle est skill up. Normal. Mais je juste pour regarder au cas où. 7, 6, 3, je crois que c'est ça. Je crois que c'est 7, 6, 3. Ouais. Tac. Qu'est-ce qu'on peut... On va les regarder. T'as un Eschir qui est déjà monté. Je pense qu'il est skill up. 5, 5... 4. Donc ça, c'est le genre de monstre. Peut-être que tu le mets d'ailleurs dans ta team Dragon V10. Bon, on va faire un peu de place. En même temps, je regarderai si ton Barretta, il est skill up. Parce que skill up ton Tyron, je pense que ça t'intéresse pas trop parce que t'as des rades. Ah, bah voilà. Ça peut être pas mal. Ça te permet d'avoir un petit peu de skill up. Ça te permettra peut-être de le monter 6 étoiles aussi.
On va déposer tout le food. Donc tu m'as fait 120 places. Ça, c'est du frérot. Ça fait vachement plaisir des gens qui prennent le temps de préparer la summon session, de libérer de l'espace, d'avoir le bon mana, les cristaux qui ont été directement utilisés. C'est vrai que des fois, je me retrouve avec des summon sessions où je vois 6 Venom Sticks et 3000 cristaux. Donc du coup, je laisse toujours 700, 750 cristaux de côté. Mais je préfère quand c'est l'invocateur qui le fait. Pareil, quand j'arrive dans un stockage qui est quasiment full, ça un peu moins drôle. Allez, on va garder les 4 étoiles. On va garder les 4 étoiles. On continue la petite summon session. J'espère invoquer quand même un 5 nat. Ça va peut-être faire bouger la guilde derrière en faisant Oh, Rousse! Trop bien. Qu'est-ce qui serait sympa? Zeros. Ouais, Zeros, c'est toujours bon à prendre. On avait 156 vélins mystiques, hein, et je crois qu'on a déjà 11 4 nat avec les fakes entre autres Thomas. Donc on est bien là dans cette summon session niveau étincelle. Archer magique. De toute façon, je pense que ton compte il est quand même assez chatteux. Vera, Taor, t'as une Brandia. Un fake 4 nat, c'est un monstre fusion, mais bon, je pense que les fusions maintenant ça te passe un peu au-dessus. Un Timinotaur. Allez, on continue. 74 vélins mystiques, momie. Allez, un Argueau pour ton Gravity, une Archère Magique. Alors ça c'est pareil. C'est peut-être un peu trop ballsy, un peu trop early game, mais si t'as besoin de monter en DPS dans le raid, l'Archère Magique vend, eh bien. Et ben voilà, classe, Orion. Orion, alors ça fait plaisir. Je dirais pas qu'il fait partie des top, voilà, de mon top 5 des meilleurs 4 nats, mais il s'en rapproche. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment abusé en PvP. Tous ceux qui jouent contre en PvP, et je dirais même plus en GVG parce que c'est du 3v3, je trouve que Bruni, il fout la merde. Il fout la merde dans toutes les teams. On a beau essayer de se protéger, oui, bon, si on a un Vela-Juhel, peut-être, et encore, non, parce que ça strip un peu. Des fois, je mets Oussa, je me dis, allez, avec Oussa, ça va peut-être passer et tout, mais pff, Bruni, ça fout la merde dans toutes les teams. Hein. C'est une petite défense GVG, on se dit, ouais, il y a Bruni, il y a tel truc, c'est un peu tanky. Bon, je vais essayer de faire mon mieux, mais non, ça fait mal. En plus, son skill 2, je crois qu'il fait des dégâts. Peu importe l'élément en face. Non, c'est fort. C'est vraiment fort, Bruno. Allez, un petit griffon vent, c'est pas ce que tu veux. Je pense que Bernard, tu l'as déjà depuis bien longtemps. D'ailleurs, je suis pas sûr que tu l'aies monté 6 étoiles. Moi, c'est vrai que j'ai fait le choix très très tôt dans le jeu de monter Bernard 6 étoiles parce que je sais que c'est pas un mauvais monstre. Après, on peut se dire, oui, son intérêt, c'est de booster la vitesse. Entre autres en PvP, parce que très late game, on va le jouer beaucoup en PvP, donc c'est pas forcément intéressant qu'il soit à 40. Qu'est-ce qu'on a? Ah, 5 étoiles! Yes! Ah non! Non! Ça me fout les boules! Ah, la fille occulte! Tu l'as déjà! Ah, doublon! Non! Je suis content et je suis pas content. Putain! Je l'ai vu tout à l'heure, je suis sûr que tu l'as déjà. Je l'ai vu tout à l'heure. Merci les boutons stockage. Je vais me faire pourrir la gueule, champ PLS. Ouais, je l'ai vu là. Oh. Et en plus, tu l'as passé 6 étoiles. Bon. À la limite, double Charlotte. Ça peut être assez impressionnant. On va passer sur un chant français. J'aurais eu plus de réactions. Bon, je m'en fous un peu des réactions, à vrai dire, mais. Non! Ça, c'est la blaze! Ah non, t'avais déjà Charlotte. Bon, allez, on continue. En tout cas, le nombre d'invoques, j'espère que ça va pas nous tuer notre rythme d'étincelles qu'on avait. On avait quand même pas mal d'étincelles. J'espère que ça va pas s'éteindre. Il faut que ça continue. J'aurais préféré des étincelles, genre un 5 nat Dark and Light. Je pense que. Je pense qu'on aurait fait la fête. On aurait fait la fête, je sais pas. Tu m'aurais invité à boire l'apéro. Capitaine Pirate, tu l'as déjà, tu l'as level up. Dommage, c'est Bark. Je pense que t'aurais aimé avoir Galion. Birman. Ah, c'est bien, mais c'est pas bien. Charlotte, c'est quand même un monstre de dingue. C'est un monstre de dingue, oui. Ok, c'est vrai que je me suis pas trop emballé. J'aurais pu m'emballer bien plus que ça parce que c'est quand même Charlotte. C'est, je pense. J'allais dire la meilleure des Occult Girls, pas forcément, mais c'est très intéressant. Susanoo, bon, ils ont pris un petit buff, les ninjas, mais je savais que derrière tu l'avais déjà, et c'est pour ça que je me suis pas envolé. La dernière fois, je me suis bien plus envolé quand j'ai invoqué un Ritesh.
Souvent, c'est la deuxième summon session où j'ai un vote un 5 nat. Ça, j'ai remarqué. Un petit griffon. Allez, il faut que ça continue, les étincelles. Allez, allez, allez. Ça, c'est bien. Beaucoup, beaucoup d'étincelles sur ton compte. Ryan. Eh ben, ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Je sais pas si tu l'avais déjà. Je trouve ça intéressant. C'est vrai que tu fais déjà du DB10, donc c'est peut-être un peu moins intéressant, mais ça reste un bonus. On a encore eu un Arg Feu, donc ça c'est bien pour skill up ton Raviti. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la Kitsune, on a Arang, qui est un monstre fusion, qui met des grosses grosses claques quand même. Son problème c'est qu'elle est assez squishy. Mais c'est vrai qu'en DPS mono-cible, ça fait le taf. Hein. Je pense que si je devais remonter la mienne, je la combinerais avec mon Galion, ça pourrait être vraiment assez intéressant. Bon allez, il nous reste encore pas mal d'invocations à faire, j'espère encore des étincelles, un 5 nat, un 5 nat, c'est ça que je veux avoir, c'est ça que je veux t'invoquer. Ouh, une petite Charlotte quand même. Et beaucoup, beaucoup d'étincelles. Hein. 23 vélins mystiques, 22, allez, il nous reste 2 packs premium à invoquer, les étincelles. Waouh, le nombre d'étincelles. Oh non, bon tu me diras, t'as déjà eu Lucian, donc à la limite ça permettra de le skill up et de le monter un peu plus haut. T'as quand même de quoi faire, hein, quand même. Ça, c'est le problème. Quand on commence à faire des invocations, quand on commence à monter, on a des monstres intéressants, on commence à se mettre sur pas mal de modes de jeu, t'as pas mal de monstres à runer, je pense. Tu as pas mal de monstres à monter. C'est un peu ce que je disais sur mon compte la dernière fois. Il y en a certains qui m'ont dit, mais Wendy, comment tu fais pour faire autant de monstres 6 étoiles? Parce que c'est vrai que j'ai fait 7 monstres 6 étoiles en 5 semaines, et j'en ai fait un 8e, parce que je viens de passer Sidmaru 6 étoiles. Un Anubis, bon, c'est l'Anubis Feu, c'est peut-être le meilleur. Et là, j'ai de quoi en faire encore un autre parce que j'hésite à monter Lissa ou Lisa pour le raid. Parce que voilà, c'est mon objectif là, le raid, c'est il faut que j'améliore mes runes. Donc il va falloir que je fasse du raid, du raid, du raid. Et ma team raid 4, elle est trop faible. Faut que je me fasse porter par des bons joueurs. Et d'ailleurs, si vous êtes des bons joueurs de raid, raid 4, raid 5, et que vous me prenez un peu en pitié et vous voulez me porter, vous voulez me PL, vous voulez m'accompagner, ça me ferait vachement plaisir. J'ai besoin d'améliorer un peu ma team. J'ai besoin d'un peu de conseils en raid aussi parce que je suis pas un joueur de raid. Je jouais beaucoup à Summoner's War à ses débuts. Donc le Necro n'existait pas, le raid n'existait pas, maintenant les nouveaux raids non plus n'existaient pas. Donc il y a quand même pas mal de choses que j'ignore là-dessus. Je me suis quand même pas mal documenté, mais il y a du taf. Et du coup, j'aimerais bien avoir un petit peu plus de conseils, j'aimerais bien me faire porter s'il y a des joueurs qui ont envie, parce que bah voilà, nous on est vraiment une petite guilde, on se prétend loin, loin des meilleures guildes françaises, on est une petite guilde qui avons du mal à rester gardien 1, donc je crois que Roux, ça doit être le seul joueur qui fait un peu de raid 4, moi j'en fais mais c'est trop ponctuel, donc j'ai pas le niveau, j'ai clairement pas le niveau pour faire du raid 4, c'est-à-dire... Avec certains joueurs avec lesquels je joue de temps en temps, oui, ça passe parce que, y a un Tessarion leader skill, donc la résistance 41%, parce qu'ils ont des bons DPS. Moi, j'ai pas trop une team DPS, mais si vous voulez m'accompagner et accompagner peut-être Rous et d'autres joueurs de la guilde, eh ben, n'hésitez pas à vous faire connaître. Pareil, peut-être qu'il y a encore des places qui vont se libérer dans la guilde, donc n'hésitez pas à vous faire connaître. Si vous êtes un peu dans le même niveau Crous que moi, voilà des joueurs un peu investis, qui font du DB10, qui font du NecroB10, qui sont dans les alentours de Raid 3, Raid 4. Si vous faites du Raid 5, je ne sais pas ce que vous viendrez faire dans la guilde, je pense que vous allez vous ennuyer peut-être en GVG. Une Adrianne, allez, 5 invocations. Encore une étincelle, ou sinon on la réserve pour les Dark and Light. Frankenstein, allez encore 2. Pas d'étincelle. Pourquoi je souffre? Parce que je me dis, ça fait une dizaine d'invocations, pas d'étincelle, et vu le nombre d'étincelles qu'on a eu depuis le début, on va compter, on va compter. Peut-être que ça va tomber. On a eu un 5 nat. Respect, Charlotte. Charlotte quand même. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 monstres 4 étoiles, 1 5 nat sur 156, je crois, vélins mystiques. C'est très correct, c'est très correct. En plus, il n'y a pas... Bon, il n'y a pas eu de monstres dingues oufissimes. Bon, t'as eu Charlotte. Bon, désolé, si, il y a des monstres oufissimes. Il y a eu Charlotte, il y a eu des refroidissements. Il y a Sou, que je trouve très fort. T'as eu Ryan, t'as Orion.
T'as un Rabbity, peut-être, si t'as besoin d'être un petit peu mieux niveau PVP, niveau raid. Ça peut être l'occasion. Qu'est-ce que je fous là-dedans? Je suis perdu. Ah là 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 là, je m'emballe dans mes explications. Regardez-moi tous ces monstres. Allez, on va continuer à invoquer. On va invoquer ici. On a 12 Dark and Light. Pas d'étincelle. Un petit Jultan. Il faut un petit Jultan, là. Ok, bah c'est pareil. Regarde, c'est un loup. C'est un loup. Bon, c'est un Inugami, c'est pas tout à fait pareil. Allez, un Béladéon. J'espère que tu n'auras pas la rage si je t'invoque un Théon. Je me suis invoqué un Théon aujourd'hui, j'y avais les boules. Boum! Jultan! Et ben voilà, t'as Échir, maintenant t'as Jultan, tu vas pouvoir faire le gros 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 combo. Jultan, pour son passif, c'est monstrueux. Inflige 12% du max de tes PV comme dégâts si tu es attaqué avec un coup critique et affaiblis la défense pendant un tour à chaque attaque. C'est trop fort. En offense, face à des teams, par exemple des gens qui mettent des Verdeil en défense, ou qui mettent par exemple des DPS, quand il y a des Jultan, on va regarder le Jultan, je le montre à chaque fois, mais... Je sais pas où est-ce qu'il est. Je crois que c'est celui-ci, Shenzin. Regardez-le. Regardez son Jultan. Il a 46, 48K PV. Donc déjà, il va faire 5K de damage en contre-attaque dès qu'il chope un coup critique. En plus, il a en vampire, donc il va récupérer derrière des points de vie. Et après, il a certainement les buffs de bâtiment GVG et de gloire, plus des fois peut-être des leader skills. Donc c'est peut-être pas 5K, c'est peut-être 7K qu'il va mettre. Plus, il a quand même un peu de vitesse, 45, c'est pas dingue, mais ça va. Il a de la défense, donc il encaisse quand même. Donc c'est-à-dire même s'il prend des dégâts, il va encaisser, il va se soigner. Je pense que son monstre est dingue, je pense qu'il est dingue. Alors là, on a des mauvais, on en est mauvais. Non, on n'a pas des mauvais. Mais comparé à celui à Shenzin, son Jultan est monstrueux. Alors Jultan, qu'est-ce qu'on a? Ah, un petit pingouin d'arc. Alors je pourrais même pas te dire ce que ça vaut. Le light est pas dégueulasse. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ok, chasseur de bêtes d'arc. Tiens, tends la corde pour max. Utilise 10% de tes PV, augmente le taux critique à 100%. D'accord. Faudrait voir la stat qu'elle a de dégâts. S'il a un bon stat de dégâts, ça peut être intéressant. Pas d'étincelle. Ok. Alors, je connais très bien le light parce que le light fait des gros gros dégâts. Attaque l'ennemi 5 fois en lançant un javelot avec 50% de chance d'achat d'attaque d'infliger des dégâts continus pendant 2 tours. 2 tours, 5 fois. Ok, perce l'ennemi avec une lance, d'accord, ça. Si tu obtiens un coup critique, inflige des dégâts continus. Le skill 1, inflige des dégâts continus. Le lutin champion d'arc, mais je connaissais pas, mais c'est une machine à dégâts continus. C'est un anti-boss de dingue. Ok, une armure vivante, light, c'est pas ce qu'on veut, à la limite on préférait la dark, zinc, on dit qu'elle est un peu meilleure. Là tu as encore le dark, ok. 5 invocations. Oh non! Non, Camoulès! Ah, je suis blasé, j'allais dire. Il nous reste encore quelques invocations pour avoir un 4 nat. Ah, ça me blase! Non, pas un fake 4 nat sur du dark. Ça fout un peu les boules. Encore un pingouin dark. Je crois pas que t'as de 4 nat, Dark and Light. Hein. J'ai pas vu. Un Inferno Dark. Allez, il nous en reste encore deux. On a encore de quoi faire des étincelles. Encore un. Ah, basalte. Tu ne l'avais pas. J'ai cru voir que tu avais marbre. Tu as peut-être basalte, mais je ne l'ai pas vu. Bon, dommage, dommage. Peut-être un prom. Glinodon. Eh ben, c'est pas mal aussi, Glinodon. C'est pas mal du tout. En plus, là, c'est le SD de l'homme lézard feu. Glinodon qui augmente son taux critique de 20% et les dégâts de ses coups critiques de 20%. C'est pas dégueulasse, Glinodon. 4 légendaires. Forcément 4 étincelles. Est-ce qu'on va avoir un 5 nat? Est-ce que ce sera le deuxième? Oh non, tu l'as déjà et tu l'as monté. Ok, la sirène. J'ai hâte. Oh, June. Non. Trop de mémoire, trop de mémoire, trop de mémoire. Il faut que j'aille voir. Est-ce que c'est June? June, c'est le feu. Kaz, voilà. Kaz, c'est un peu l'anti-DPS vent, l'anti-Théomars pour certains. Moi, j'aime pas trop.
Encore, non. On se fait troll. On se fait troll. Allez, 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 allez. Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va voir? Je veux du gros. Et... Ah non! Combattant Néostonevent. Bon. Si tu veux monter ton Ryan ou ton Trevor, hein, c'est vrai que tu peux monter ton Trevor. Bon, on va quand même regarder la Summon Session qui est loin, loin d'être dégueulasse. Un peu dommage pour le doublon. Qu'est-ce qu'on a? Récent. Les récents, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25. C'est quand même pas mal, 25 pour le nombre de vélins qu'on avait. Et une Charlotte. On a un Glynodon, qui est pas mal. On a Jultane. Jultane quand même, ça c'est très très fort. Oh, tu vas pouvoir faire des combos en GVG. Je pense que ça va être très très sympa. On va regarder dans l'entrepôt. Bark. Il est skill up, oui, ce qui est normal. T'avais un marbre aussi. T'as un Lucian 4 étoiles, mais t'as deux Lucian. Mais qu'est-ce que t'attends pour te monter deux Lucian? Ok, t'as Taor. Ok, t'as tes chars. Mais monte-toi Lucian. Je trouve ça tellement fort, Lucian. T'as un double Lucian en plus. Bon, en tout cas, là, je pense que tu vas avoir du 6 étoiles. Tu vas avoir du 6 étoiles très bientôt. Les invocateurs, on se retrouve tout de suite sur l'invocation de son frérot.